Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, un peu particulièrement, on se retrouve sur un autre jeu, hein, The Wargame European Escalation. On va regarder quelques replays parce que j'ai pas eu le temps de préparer une vidéo de Wolfou. Hein. Pour dire vrai, techniquement, le Wolfou de Warding Conflict aurait dû commencer, mais suite à des pertes de données, ben, il m'est impossible de la commencer justement. Et cela m'oblige bien évidemment à refaire certaines vidéos. Donc je continue bien évidemment mes walkthroughs. Donc, par exemple, continuer Company of Heroes. Mais à côté de ça, ça me demande beaucoup de temps. Et j'ai pas forcément toujours le temps de pouvoir faire une vidéo chaque week-end. Hein. Donc voilà, j'en m'excuse. Hein. Bon, quand même, que pour vous ayez une vidéo, je prends quand même un jeu. Il y a quand même de l'action, hein. Et en même temps, je vais faire quelques petites informations, parce que je vois que Wolfwood, Company of Heroes vous plaît beaucoup, hein. Je vois que vous êtes intéressé, que c'est une amie, ça vous plaît, hein. Donc, je vous rassure, il va bien évidemment, il va continuer jusqu'à ce que j'ai terminé, hein. Et ça va tenir encore un bon moment. Un peu de mise en scène, hein, bien évidemment. Pour que vous profitiez quand même un peu du jeu. Hein. Donc voilà, ouais, Company of Heroes il continue. Hein. Comme vous le constatez aussi, c'est que maintenant c'est en plusieurs parties. Je ne peux pas excéder les 30 minutes, étant donné que j'ai pas une connexion internet suffisante pour pouvoir mettre des vidéos rapidement. 30 minutes, ça me prend à peu près déjà. En moyenne, c'est une moyenne, hein, c'est pas toujours vrai. En moyenne, ça me prend à peu près déjà 20 heures pour juste 30 minutes, donc voilà. Je préfère faire des vidéos un peu plus courtes, mais que vous en ayez plus souvent, que faire des vidéos trop longues et que déjà, ça m'étonnerait que vous regardiez une vidéo de 40-50 minutes d'une seule trait. Donc, parfois, j'ai déjà fait. Quand je veux vraiment avoir des informations sur certains jeux, je me permettais de faire ça. Ouais. Mais je sais que c'est parfois c'est vraiment donc je préfère que vous regardiez plutôt une partie de la mission parce que j'essaie quand même de faire des coupes alcooliques hein. Sauf si bien évidemment je peux pas hein. Ça arrive parfois que je ne peux pas faire des coupes alcooliques donc pour ça y a bien évidemment des choses à pas faire à tout le monde hein. Enfin, voilà, en tout cas, je suis déjà content que Wolfwood Company of Heroes vous plaît. Il n'y a peut-être pas autant de commentaires historiques que celui-là de Ruse, étant donné que le jeu dit déjà beaucoup d'informations que je compte dire. Mais bien évidemment, je rajoute toujours quand même quelques informations pour que vous puissiez toujours quand même avoir autre chose à savoir. On apprend toujours. J'informe aussi tout de suite que le jeu-là n'est pas dans sa mise à jour sur Play. C'est un RP qui commence à dater un peu. Donc il est pas à jour. Donc il peut y avoir des incohérences en fonction des unités et tout ça. On voit. Le Wolfou sans d'ordine conflit, je le commencerai aux vacances. Hein, aux vacances scolaires quand je pourrai. Pour rattraper le temps perdu, je vais sûrement vous en mettre 4. 4 ou 5. Ce qui permettra comme ça au moins vous aurez le début de ce Wolfou là. Bien évidemment, je précise quand même que le Wolfou principal reste toujours Company of Heroes, mais pour faire un petit changement. Parce que c'est un peu énervant que tu joues toujours au même jeu. Hein. Il faut toujours regarder le même surtout. Là, vous connaissez qu'un jeu, je vais vous en présenter quand même plusieurs. Hein. Donc voilà.
Ensuite, j'ai remarqué que certaines personnes étaient au courant que j'avais Company of Heroes. Hein. Pas Company of Heroes, c'est moi, c'est logique vu que je fais ça voix fou. Mais que j'avais Wargame, European Escalation. Ils m'ont demandé s'ils voulaient que je fasse justement son Wokfu. Je suis plus ou moins pour. Je m'explique. Comme vous êtes au courant, la bêta d'Ergon Battle vient de se finir. Hein. Et ça sera justement le prochain Wargame European. Wargame Ergon Battle s'appellera. Et justement, ce jeu, il va. Changer un peu tout le système du hack de European Escalation. Les stats, par exemple, avec Gandalf, ça va jusqu'à 10. La Grand Battle, il va jusqu'à 20. Les armes aussi, ça va changer tout ça. Donc, il va y avoir de très très gros changements, justement, sur. Bon, même vision, hein. Il y aura donc de très gros changements, et le problème, c'est que passer l'un à l'autre, ça risque d'être un peu déstabilisant. Ensuite, le problème qu'a Ergon Battle, c'est que parfois les missions, pour faire juste une petite mission, hein, ça prend parfois plusieurs heures. Il m'est arrivé dans Ergon Battle de faire une mission qui m'a pris plus de 7 heures. Donc on va rester sur du coup pas 30 minutes, 7 heures. Ça fait quand même beaucoup. Ah, 7 heures. Ça fait quand même 14 vidéos. Plus d'une mission. Et ce que j'en aurais compris justement des Round Battle, Round Battle ça sera pas une mission voilà, par exemple une campagne type scénarisée. C'est forcément ça se passe ça à ce moment, tout ça. Ça sera par moins à style Total War, où c'est du tour par tour, puis après c'est battu en temps réel. Je pense que je ferai d'ailleurs plus ce jeu là en Wokfu que celui actuellement. Oui, je précise aussi que je prends Ergon Battle quand il sortira. Hein. Parce que avoir un jeu français d'une telle qualité, moi je suis que pour. Hein. S'il pourrait y en avoir plus souvent même, c'est. Voilà. C'est vraiment un jeu que j'adore. Et j'achèterai dès que je pourrai, j'achèterai le jeu. Je le dis honnêtement. Donc voilà. Donc le sondage justement que je voulais faire, c'est est-ce que vous préférez justement pour le début des vacances que je vous mette des vidéos pour finir déjà la première campagne de Company of Heroes, la campagne de Company of Heroes, ou est-ce que vous préfériez justement que je commence un peu Boarding Conflict comme il était prévu à la base. Vous voyez que ce qui était prévu c'était que je mettais une ou deux vidéos de Company of Heroes et une de Boarding Conflict. Hein. Et est-ce que vous donc vous préfériez que je prenne du temps pour faire justement ça. Une ou deux vidéos de... Bon, je me répète, bon je m'en excuse. Hein. Ouais. Donc voilà, je vous laisse... proposer hein. Si vous voulez que je fasse Wargame European Escalation, j'ai pas non, mais comme je l'ai dit, c'est fort probable que je le fasse quand même pas. Hein. Ça me demanderait beaucoup trop de temps pour y préparer. Je pourrais donner des conseils pour faire le jeu en entier, c'est pas le problème, mais c'est. Comme vous constatez, les gars, c'est une partie qui dure 30 minutes. 30 minutes, c'est pas beaucoup. En campagne, comptez le double trip quand même. Moi quand je joue, je passe facilement, étant que je suis quelqu'un de très prudent, je passe facilement beaucoup de temps. Et justement dans les Wokfu déjà, je fais exprès déjà de me dépêcher. Donc je fais plein d'erreurs stratégiques que j'aurais techniquement pas fait. Bon ben on a déjà fini un replay. J'avais pas prévu que ça soit aussi rapide ce replay. Bon ben on va essayer d'en trouver un autre. Hein. Comme vous constatez aussi, mon pseudo n'est pas Thibaut RH. Bon, je me renomme parfois pour changer un peu, parce que j'ai toujours marre d'avoir le même pseudo. Alors là, je sais pas quelle vidéo je vais vous mettre. D'ailleurs, ça, c'est pas une vidéo à moi. Un RP à moi, je veux dire. Je vous reprends tout de suite le temps de charger une replay.
Bon, nous revoilà, j'arrive pas en fait à enregistrer l'autre play, étant donné qu'il date trop. Bon, on va reprendre alors un replay qui date de la dernière mise à jour. Pas forcément plus intéressant, mais c'est pas grave. Je mets ma vision. Donc, et voilà. Donc, j'ai perdu un peu où j'en étais. Ça fait 5 minutes que j'essaie de refaire marcher le jeu, donc voilà. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc oui, je voulais juste, comme j'ai dit, je voulais savoir si vous préfériez que je commence le coup Wongfu de Warding Conflict. Là, ça sera vraiment un jeu où je ferai pas de commentaires historiques, étant donné que c'est une pseudo-guerre, mais où ça sera vraiment de l'amusement, du gameplay, des batailles, c'est... Ça changera en fait des jeux un peu plus sérieux comme Company of Heroes où je suis bien préparé tout ça. À côté de ça, il y a aussi Wargame, comme je vous ai dit, je comptais pas vraiment le faire, même si vous me demandiez, je ferais Airland Battle. Il est fort probable, mais Wargame, non, je pense pas. Je préfère tout de suite le dire, Wargame c'est un jeu que j'aime bien jouer à ce jeu en multijoueur, mais en solo. En solo, voilà. J'ai fait le solo, j'ai fini entièrement, j'ai buté des étoiles, hein. Mais comme j'ai dit, ça me prend tellement de temps pour faire une petite mission en solo que j'ai pas envie de. Je préfère faire un autre Wongfu à côté, que je terminerai plus rapidement que de faire celui-là. Ah, un peu d'action aussi. Je disais les vidéos, vous voyez, il y a quand même c'est assez régulier quand même que je vous en mets, quand même une voire deux chaque semaine. J'essaie de faire en sorte que vous ayez une mission par semaine en fait. Je me suis dit sans durer, si j'arrive à vous mettre une vidéo par semaine, tout va bien. T'as même à côté de ça de devoir beaucoup préparer en fait. Ouais bon, je m'en sors, donc voilà, je suis plutôt content là-dessus. Et maintenant, on va rentrer dans un petit sujet assez important. C'est comme vous constatez, vous avez pu remarquer un petit changement déjà dans le logiciel. Maintenant, j'utilise Miri Reaction. Bon, il marche plus ou moins bien. Il y a certains jeux qui n'arrivent pas à enregistrer. Je suis toujours obligé de garder Fraps. Mais avec ce logiciel, comme vous avez constaté, je n'ai plus de bande noire. Et la question que je me pose, c'est est-ce que vous préfériez avoir quelques bandes noires, même si c'est pas, même si ce sont pas beaucoup, hein, un peu de bandes noires sur chaque côté, ou est-ce que vous préférez avoir un jeu sans bandes noires sur tout votre écran? Personnellement, à partir du moment où les bandes noires sont assez minimes, moi ça me gêne pas qu'il y en ait. Mais si vous préférez vraiment qu'il n'y ait aucune bande noire, je resterai alors comme ça. Hein. Bon, enfin, sur les jeux où je peux, parce qu'il y a certains jeux comme. Je vous ai quand même préparé une surprise pour les 10 000 vues, ça s'approche quand même, on est à 8 200 vues je crois que je suis. Je prépare quand même une surprise quand même pour vous, hein. Et justement, cette surprise, il y a eu un problème, c'est que pour la filmer, j'ai tout bien retourné sur Fraps. Fraps, c'est un très bon logiciel, mais quand il veut pas marcher, Fraps, c'est génial. Mais heureusement, j'y peux rien, c'est comme ça. Mes réactions n'arrivent pas encore à filmer tous les jeux. Je pense qu'il y a des problèmes de paramètres initiaux. Mais le bon point, c'est qu'au moins ça me demande moins de ressources, donc c'est plus facile de faire mes vidéos. Donc voilà. Company of Heroes 2, son Wongfu arrivera plus tard que prévu. Il a été reporté de jusqu'au fin juin pour l'instant, sauf s'il y a encore de nouveaux décalages. Pour l'instant que je sortirai fin juin, donc ça va pas avoir un grand moment. Donc faut pas espérer avoir de sitôt, hein, ce Wongfu là. Mais bon. Il arrivera, je vous le dis, mais il arrivera vraiment dans beaucoup de temps.
d'autres jeux qui m'intéressent avant, comme par exemple, comme j'ai dit, Resident Battle. Je comptais aussi faire peut-être un walkthrough d'un jeu où ce sera pas un jeu de guerre pour une fois, un petit jeu de gestion. J'ai pensé soit à Anno 2070, soit au jeu Fier Département. Autant que Fier Département, j'ai toutes ces extensions, je me suis dit pourquoi pas je ferais celui-là. Toutes ces extensions, plutôt les trois jeux. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de pompier, donc je me suis dit pourquoi pas. Ça permet un peu de changer le gameplay ou que ce soit toujours un jeu. Que ça soit par exemple combattre contre d'autres personnes, ça sera pour une fois combattre contre le feu. En même temps, ça permettra aussi de rendre hommage comme à tous ces sapeurs-pompiers qui nous servent chaque jour et qui parfois au péril de leur vie viennent nous sauver. Hein. Ça me permettra aussi de faire un petit walkthrough hommage envers eux. Ou le jeu Anno 2070, si vous préférez. Bon, j'ai pas son extension en profondeur, si je me trompe pas de nom. Donc, ça sera que le jeu de base. Et là, il se posera une question, est-ce que je vous fais le fou du jeu, sa campagne, ou est-ce que je vous fais une mission entière? Bah, je lance une partie normale et je considère qu'une fois à un moment, je trouve que j'ai suffisamment avancé dans le fou, je dis, voilà, je considère terminé. Là, je demande votre avis, justement, là... Vous êtes quand même des personnes qui regardaient, donc c'est quand même important que je sache quand même vos idées, hein. Que vous donniez votre avis. Même si moi j'ai les miennes, il faut quand même savoir ce qui vous intéresserait quand même énormément. Hein. Donc voilà. Comme je l'ai dit, Earthland Battle arrivera. Bon, certaines personnes m'ont aussi demandé de faire des walkthroughs en coopération. Je suis pas contre. Mais le problème qui se passe, en fait, c'est plus une gêne pour moi que pour vous. C'est que pour filmer justement des walkthroughs en coopération, je dois mettre en sortie audio les personnes qui jouent enceintes. Et le problème de ces sorties audio, c'est que moi, je les entends très faiblement, justement. Ce qui me pose quand même un peu de problème, c'est que parfois, si on veut quand même bien communiquer, vous les entendez, mais moi, parfois, je les entends pas trop. Donc ça pourrait être problématique. Mais je pense, je ne vais pas mentir, je pense vraiment que je vais peut-être lancer walkthrough en coopération parce que ça changera. Je suis toujours tout seul pour faire des walkthroughs, c'est quand même exténuant hein, le nombre d'heures que je passe dessus. Mais il est fort probable que je trouve un jeu, par exemple Resident Evil, apparemment ce sera une campagne en coop. Il est fort probable que je fasse cette campagne avec quelqu'un en fait. Ça me changera d'être toujours tout seul. Et oui, je suis quelqu'un qui aime faire ça avec des amis. Voilà. Et bon, comme je le dis, je répète. Attendez, je sais pas, mais à mon avis, quand vous regardez cette vidéo, le nombre de fois que vous m'écoutez, ça doit être marrant. Ce n'est pas une certitude. Mais il est fort probable quand même que je vous en fasse, parce qu'au moins, ça sera pas quelque chose d'habituel. Hein. Ça sera vraiment un truc entre amis. Ça sera pas préparé vu que ça sera un jeu où c'est l'aléatoire qui définit tout. Hein. Par exemple, un Total War, c'est un facteur chance qui intervient. Hein. À côté de ce facteur chance, il y a aussi le fait de jouer en équipe, de communiquer. Et là, ça serait plus. Une vidéo explication historique, ça serait plutôt une vidéo gameplay, vraiment. Là, ça serait du pur jeu, de la pure détente même. Hein. Par exemple, pour exemple du jeu. Shogun de Total War. Même si niveau optimisation pour filmer, c'est pas vraiment l'un des meilleurs. On prend le jeu là. Et je vais avec un pomme, on fait une campagne en coopération et on ferait comme Anno 2070, je choisis quand on a fini. Hein. Parce qu'au final, à un moment, quand vous êtes trop puissant, il n'y a plus beaucoup d'action, c'est plus des ennemis que vous riez de la carte, tout ça. Hein. Donc voilà. C'est vraiment à vous de voir. Hein. Vous constatez aussi que je crois que j'ai dit, mais j'ai un truc, je sais plus. Je m'appelle pas Thibaut Rush dans les jeux. Enfin, c'est. Oui et non, mon idée c'est toujours Thibaut RH, mais mon nom de jeu c'est Alita. Bon, pour l'instant.
Je me suis tapé Phoenix, la mort vient vous chercher, Général Sushi, Dragon, et je vous en passe encore des. Tous les autres noms tordus que j'ai pu à une époque trouver. Hein. Bon, c'était d'accord, c'était pour faire le con. J'avoue, c'était pour voilà, c'était pour faire le con. Faut bien se détendre de temps en temps. Hein. Faut. C'est pour jouer que pour être sérieux, ça sert à rien de jouer, franchement. Voilà, moi, je me permets maintenant de vraiment prendre mon temps quand je veux jouer. Je me fais plaisir. Et voilà. Comme je fais mes Wokfu d'ailleurs. C'est déjà pour les personnes justement qui s'intéressent à pouvoir faire des vidéos, le truc qui est important que vous rappeliez, si vous faites des vidéos, faut que vous y preniez du plaisir. Si vous prenez pas de plaisir, ça sert à rien de faire de vidéos. Faut être honnête là-dessus. Vous venez, vous jouez, oh, c'est chiant, faut sortir une vidéo. C'est vrai qu'à ça, à côté, moi je sais que parfois je me dis, j'ai pas de vidéo, qu'est-ce que je vais bien pouvoir filmer. C'est vrai. Ça m'est arrivé de dire ça, mais à côté de ça, je sais que j'aime faire des vidéos, j'aime voir vos commentaires, par exemple, ah, cette vidéo m'a plu, t'aurais pu faire ça, ça, j'aime bien. Et comme vous constatez aussi, je réponds à tous les commentaires, d'ailleurs. Dès qu'il y a un commentaire, j'y réponds. Hein. Ça, alors n'hésitez surtout pas à mettre de commentaires. Hein. Moi, dès que j'en ai un, je commente. La réponse, j'explique pourquoi j'ai fait ça, ça. Bon. C'est des justifications après. Après, on va partir sur ce petit dernier replay. Après, je vous laisserai. Hein. Toi, si ça sera un contre Fabrice, hein. On change un peu. Hein. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment. Faut vous prendre du plaisir. Je vais remettre encore dans la description de cette vidéo ce que j'utilise. Donc, j'utilise Fraps. Moi je conseillerais quand même Fraps, mais Fraps pour filmer ou Miriaction. Miriaction, il faudrait en fait qu'il y ait quelques mises à jour de plus, je pense, et ça serait un bon logiciel. Hein. Je crois qu'il coûte 25$ ce logiciel, et Fraps doit coûter une cinquantaine de dollars. On m'a offert Fraps et Miriaction, donc voilà. J'ai eu de la chance, j'avais un ami filmeur qui a arrêté de filmer, il m'a passé ses logiciels en s'arrêtant. Hein. Donc voilà. À côté de ça, à côté de bien évidence de vous, il faut réussir à compresser. Moi j'utilise personnellement Adobe Premiere Pro, mais d'autres utilisent Sony Vegas Pro. Donc à vous de voir, les deux logiciels se valent. Après, je sais aussi que les panneaux s'amusent à les avoir de façon amusante. Hein. Moi je suis pas quelqu'un qui. Doit sa mag, hein, tout ce qui est piratage, mais je. Si vous faites, sachez que vous êtes responsable, vous êtes de vos actes. Hein. Moi, personnellement, j'ai pas de logiciel craqué, je joue correctement. Mais ça demande quand même un coût. Quand même, les coûts de ces logiciels-là, c'est quand même assez élevé. J'ai plus les prix en tête, mais. Moi, si vous n'aurez pas passé, je pense que j'aurais peut-être pas pu faire de vidéo. Vraiment, ça. Ensuite, vraiment, une grande chose à savoir, au fait des vidéos, qu'elles soient préparées. Je vois beaucoup de vidéos sur internet, les paramètres pour filmer, c'est en 480. Même pas, c'est une qualité médiocre. Je compte, moi, je suis comme ça, j'ai pas voulu faire de vidéo tant que mon ordi n'arrivait pas à filmer en même temps que je joue en bonne qualité. Et surtout, tant. Que les qualités mes vidéos n'étaient pas en HD. Je considère que c'est quand même le minimum de pouvoir proposer à des personnes une qualité quand même décente pour une vidéo. C'est quand même, je pense, la moindre des choses. Les personnes, c'est pour ça, pour les personnes qui filment, essayez quand même de faire des vidéos d'une bonne qualité. Parce que moi, personnellement, voilà, je regarde beaucoup de vidéos. Je dis pas le contraire, j'en regarde quand même un petit nombre. Hein. Mais si c'est pas une vidéo en HD, je la regarde pas. Faut dire, je mens pas là-dessus. Parce que je considère que. Après, ça peut être bien. C'est ça le problème. C'est ça le double paradoxe. Certaines personnes sont obligées de les faire en cette petite, dans cette définition de 480p parce qu'ils ne peuvent pas faire en HD. Voilà, c'est un problème, j'en conviens, mais pour les amis filmeurs,
pour les viewers, je pense que c'est tout à fait normal de vous proposer une vidéo de haute qualité. Moi, je ne verrais, personnellement, je ne verrais pas, je ne serais pas capable, moi, carrément, de voir une vidéo qui ne serait pas en haute définition. D'ailleurs, il va y avoir un bug, en fait. Une TA sera buggée sur le côté de la map, on ne sait pas comment elle a fait. Que j'aurais jamais réussi à détruire ça. Donc voilà, faut... c'est vraiment un vrai dommage ça. C'est vrai qu'en y repensant. Donc voilà. Je vous mettrai bien évidemment les... Je vous mettrai pas les liens pour y les trouver, mais je vous mettrai les noms des logiciels que je conseille ou que j'utilise. Hein. Donc voilà. Avant de vous essayer de publier une vidéo, vous constatez que moi parfois il y a certains réglages sur certaines vidéos. Où le son du jeu est peut-être parfois un peu trop fort. Hein. Au son du jeu est parfois un peu trop fort et justement parfois on m'entend mal. Ça c'est vraiment des regards qu'il faut éviter de faire. Moi le problème qui s'est passé c'est que j'ai dû changer. Il m'a fallu plus d'une heure pour ces trois nouveaux logiciels, trouver un copain qui avait justement mes réactions, qui me passait l'existence que je télécharge tout ça. De retrouver en fait c'est la même personne qui m'a passé frappe, c'est celui-là en fait, il y avait les deux. La personne se reconnaîtra dans mes vidéos. Voilà. Passer ces deux logiciels. Je vous remercie vraiment. Hein. Et le problème, c'est qu'il n'y avait pas de paramètres, je ne sais pas, donc j'ai tenté, j'ai fait un peu du pif. Vous voyez ce qu'il y a. Bon, on va tenter ça, on va tenter ça. Et à force, vous voyez, au bout de 3-4 vidéos, le son du jeu était plutôt bien réglé, vous m'entendiez plutôt bien. Ah, c'est pas encore trop grave ça, c'est des petits problèmes, mais à partir du moment où on arrive à vous comprendre, hein, c'est déjà bien. Il est plus important de vous comprendre que d'entendre le son du jeu. Faut justement trouver un juste équilibre. Si je voudrais dire en proportion de la voix de l'un comparé à l'autre, je dirais 40% du son du jeu en volume sonore total et 100% de votre volume de voix quand vous enregistrez. Vous devrez avoir majoritairement votre voix qui est enregistrée que le son du jeu. Pour qu'on puisse vous comprendre du son, sinon le son du jeu va être trop fort, on va pas vous entendre, ça va être une catastrophe. Une vidéo où on vous comprend pas, c'est une catastrophe, franchement. Je m'excuse, je trouve pas les mots, mais voilà, moi je peux, voilà, c'est toujours un avis personnel, mais je pense que c'est pareil pour vous. Pas comprendre la personne qui filme, ça doit être quand même une catastrophe. Hein. Bon, ça bip de partout, c'est normal, il y a des attaques de partout. Hein. Je cherchais les VPZ du, mais en fait, vu qu'ils étaient bugués, je pouvais pas les tuer. Bon, bah. Voilà. Je pense avoir tout dit, vraiment. Là, je vois pas ce que j'ai pu oublier. Évidemment, je vais te proposer deux sondages. Pour savoir s'il y a des vidéos de. Je pense même pas des vidéos en fait de campagne, peut-être carrément des lives, carrément de Wargame European Escalation si vous voulez. Hein. Mais étant donné qu'Errant Battle sort même pas quand on est fin mars, il va sortir fin avril de mémoire. Étant donné que ça sort quand même vraiment bientôt, je me dis on doit... ça serait peut-être sage d'attendre justement qu'il sorte et qu'on profite carrément d'Errant Battle. Voilà, je vous fais une petite vidéo dessus parce que j'ai vu que les personnes étaient un peu intéressées par ce jeu, ce qui m'a reconnu dessus. Hein. D'ailleurs, si vous me voyez sur ce jeu, je serai soit Tibouera, soit ce pseudo A. Donc voilà, c'est. Vous prenez tout de suite comme ça que vous ne soyez pas surpris par les pseudo. Donc voilà, si vous me cherchez, vous me trouverez sur le jeu. Je joue pas beaucoup à ce jeu là, mais si... je joue quand même assez couramment. En même temps, justement, il rend le battle. Voilà. Je domine largement ma partie, donc je peux me permettre d'attaquer. En fait, à cette attaque-là, j'avais juste oublié une chose, de prendre mes chargours. Que vous voyez arriver là, les changers. Là c'est tous mes chars moyens, ils vont se faire exploser en fait. Jusqu'à arriver du jour. Là ça pourrait faire des bons screens ça.
Et je, ah oui, j'ai oublié de vous dire, je prépare aussi justement ma vidéo. D'ailleurs, moi je vais mettre en pause, on est inscrit. Allez, pause. Bon, c'est flou. Ouais. Ouais, je vais prendre un screen parce que là c'est pas mal. Voilà, c'est bon, j'ai un premier écran. Voilà, ce jeu à niveau ambiance c'est génial. Donc voilà, je mettrai un petit sondage en commentaire de vidéo. Donc je vous demanderai, par contre, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas mettre de commentaires, mais je demanderai pour ce sondage que toutes les personnes qui me regardent mettent un commentaire pour donner son avis, justement. Pour justement, comme ça, en fonction de votre avis, je verrai à peu près des jeux qui pourraient aussi vous intéresser. Hein. Je préférerais plutôt des jeux de stratégie, des FPS, tout ça. FPS, je compte pas filmer Battlefield 3. Hein. C'est un jeu gourmand, j'ai mon processeur qui suit pas. Même si je le fais tourner quand même en ultra, et je suis plutôt content de ça. Stop, bon, je vais arrêter de me vanter de mon ordi qui est génial. Hein. La partie va se finir. Donc ainsi, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Hein. Je pense vous avoir dit, bon, je m'excuse encore de ne pas avoir de vidéo à vous proposer. J'essaierai de préparer encore deux vidéos ce week-end pour que vous donner vraiment deux vidéos de Wokfu. Ça sera vraiment la suite de Company of Heroes. Hein. Bon, je suis vraiment désolé en plus de vous faire une vidéo comme ça. Ça se voit qu'elle n'est pas préparée de tout, donc vraiment désolé. Hein. Je m'en excuse. Hein. Et bon, voilà, c'est les agas du direct. Perdre trois vidéos, alors que j'avais trois vidéos à vous mettre en ligne, je les ai perdu les trois. Je me débrouille quand même pour pouvoir vous en fournir à côté, vous voyez. J'espère que ce dérangement, ça vous gênera pas trop quand même. Parce que mine de rien, ça doit être embêtant pour vous. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous répondrez au sondage que je vous ai demandé. Et d'ici là, portez-vous bien et vive le jeu vidéo.